Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on réalise une anchoyade camarguaise. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Il suffit d'être équipé d'un mixeur et le tour est joué. Dans le bol d'un mixeur, je réunis le pain de mie, l'ail, les anchois, le vinaigre. Je mixe le tout par à coup. Je verse ensuite l'huile d'olive et je mixe de nouveau jusqu'à obtenir une pâte. J'obtiens ainsi une préparation qui a la texture d'une mayonnaise à peu près. Je peux l'utiliser sur des toasts. À l'apéritif, mais aussi la servir avec une salade en guise d'assaisonnement ou pourquoi pas des branches de céleri comme ça va être le cas aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Surtout, n'oubliez pas de vous y abonner. Je en serai très heureuse. Au revoir.